Le Canada et la France partagent une langue, une histoire et des valeurs communes. On a des liens forts entre nos populations et notre économie. Et aujourd'hui, on a eu l'occasion de travailler ensemble sur plusieurs priorités de nos deux pays, comme la lutte contre les changements climatiques, la création de bons emplois pour la classe moyenne et la sécurité. On climate change, a few minutes ago, our two countries signed the renewal of the Canada-France Partnership on Climate and Environment. The goal of this partnership is to strengthen our cooperation on things like ambitious carbon neutrality targets, clean technology, biodiversity loss, plastic pollution, and much, much more. Canada also welcomes France as the most recent partner to join the Global Carbon Pricing Challenge. Carbon pricing is one of the most effective and efficient ways to reduce emissions, and by working together, we can encourage more countries to adopt this proven approach. Une des conséquences des changements climatiques, c'est que les feux de forêt deviennent de plus en plus fréquents et de plus en plus dévastateurs. Avec la France, on vient de signer une entente pour mieux collaborer quand vient le temps de faire face aux feux de forêt. La France va aussi acquérir deux avions-citernes fabriqués ici au Canada. L'année dernière, il y a des pompiers français qui sont venus nous prêter main forte. On est très reconnaissants de votre aide. Merci d'avoir été là pour nous. Et hier, ici au Canada, on a annoncé qu'on va doubler les crédits d'impôt pour les pompiers volontaires. On va aussi investir pour aider les Premières Nations à protéger leur communauté face aux catastrophes naturelles. Another partnership we're renewing is the agreement between the Business Development Bank of Canada and the French investment bank BPI France. Through this partnership, we will keep supporting SMEs and entrepreneurs by helping them access new markets, investors, and opportunities. Durant notre rencontre, le Premier ministre Attal et moi, nous avons tous les deux réaffirmé l'importance de l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne. En 2023, le commerce entre nos deux pays s'est élevé à presque 13 milliards de dollars. L'accord commercial avec l'Union européenne explique en grande partie pourquoi les investissements du Canada en France et ceux de la France au Canada ont atteint un niveau record. On va poursuivre notre travail pour créer de bons emplois des deux côtés de l'Atlantique. This morning, Prime Minister Attal and I also talked about what's going on in the world right now. Our two countries are both steadfast in our support of Ukraine. We discussed the ongoing humanitarian, security, and political crises in Haiti. For Gaza, we stressed the importance of ensuring safe and unimpeded access to life-saving humanitarian aid for civilians, and will continue to call for the immediate release of all remaining hostages by Hamas. En tant qu'alliés de l'OTAN, le Canada et la France vont toujours être là pour défendre nos valeurs communes, la liberté, la démocratie, la règle de droit. Gabriel, merci tellement d'être ici. C'est un grand plaisir de t'accueillir. Le Canada va toujours pouvoir compter, la France va toujours pouvoir compter sur le Canada comme partenaire, allié et surtout comme ami.